Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Last of Us Part 2. Donc deuxième partie sur PS4, je le rappelle. Et donc nous sommes dans un théâtre, c'est là où nous sommes arrivés hier, à la fin de l'épisode. Donc nous sommes partis d'une station de télé abandonnée. On a découvert donc le cadavre d'une certaine Léa et du coup, n'ayant plus rien à faire dans le coin, on est parti à la recherche des autres de la liste. On cherche toujours Abby, on ne sait toujours pas où elle est et surtout on cherche aussi à savoir où se trouve Tommy, parce que pour l'instant, ben, je le rappelle, il a laissé un petit peu, il a semé des cadavres derrière lui. Et du coup, on aimerait bien le retrouver pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu glaner comme information. Et pour ce faire, on a passé par les espèces de réseaux de tunnels dans Seattle. Et c'était un petit peu chaud. Hein. On a rencontré une nouvelle espèce d'ennemis. On a personne d'espèce de colosse qui s'appelle Puant parce qu'il dégage des espèces de gaz nocifs. Je pense qu'il y a de l'acide aussi dedans. Là. Ça a l'air d'être assez corrosif ce qui se balance. Et c'est non sans mal que nous sommes sortis des tunnels. Et que nous sommes arrivés dans ce théâtre pour prendre un petit peu de répit. Hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va fouiller le théâtre. Et bien sûr, avant de continuer, à la fin de l'épisode, on a appris une info de premier ordre. C'est-à-dire que Dina est enceinte. Donc pas de Ellie, hein, je vous le rappelle, elle est totalement féminine. N'en déplaise à certaines... certains genres d'aujourd'hui, mais elle est bien féminine, elle aime juste les femmes, c'est tout. Ce qui n'est pas mal, hein, voilà. Et du coup, ce n'est pas Ellie, mais je pense que c'est Jesse, le petit vénard qui a eu la chance de mettre sa petite graine à l'intérieur de l'utérus de mademoiselle Dina. Voilà. Alors, on va pouvoir lancer l'épisode aujourd'hui. Confection. Kit médical. Confectionnable. La formule oui. Nécessite. Alcool. Vous avez désormais. 2. Silencieux. Inventaire plein. Là. Amélioration corps à corps. Inventaire plein. Okay. La grenade incapacitante. Inventaire plein. Okay. La formule nécessite. Cocktail molotov. Santé améliorée. Stimulants insuffisants. Confection rapide. Stimulants insuffisants. Furtivité. Mode écoute. Netteté. Stimulants insuffisants. Verrouillé. Trouver des manuels d'entraînement pour déverrouiller de nouvelles branches d'amélioration. C'est verrouillé. Alors, très bien. Et la santé, on en est où? Vous êtes debout. Santé. 100. Kit médical. En main. Okay. Quantité. 2. Fusil à verrou. Munition de fusil. 5. Chargé. 0. Dans l'inventaire. Ouais. Pistolet semi-automatique. Munition de pistolet. 6. Chargé. 6. C'est dans bon, l'inventaire. On va garder ça pour avec l'instant. Silencieux. Alors, est-ce qu'il y a des objets dans la zone? Oui. Il y a l'air d'avoir du peuple à récolter. Alors. Ah, qu'est-ce qu'on trouve? Un journal? Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Film Call Seattle présente. Une tragédie américaine. Cassandre. Ok, c'est tout. Il n'y a pas de... On ne peut pas retourner, non? Non, ok. Donc ça a l'air d'être une affiche de pièces de théâtre. 1. Artefact. Ok. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver d'autre. Hop là, une petite plateforme à franchir. Là, on peut casser quelque chose, mais j'ai loupé la vitrine. Attends, on va essayer de voir si je peux la retrouver. Là. Non. Ok, fais pas tout ce bruit quand même. C'est juste... Hop là, ici.
Voilà. On casse tout. Alors, qu'est-ce que... Du coup, on a cassé ça pour rien parce qu'il n'y avait rien. Alors... Ah, wow. Allez, trouve-moi quelque chose de bien. Hop là. Ah, là, il y a quelque chose. Hop. Ah, c'est l'objectif. C'est une porte. Clé. Nécessaire. Ah, il y a une clé pour ouvrir cette porte. Ok. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver cette clé? Ce serait bien. Une petite clé. Alors, est-ce que ce serait ça? Non? Non, ce n'était pas ça. Alors, là, il y a un truc qui nous bloque le passage. On va le contourner. Du bien, un peu de calme, hein. Pas de puant, pas de trucs qui veulent nous manger. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui? Bon, tu ramasses, oui? Carte à collectionner. Ah, une carte. Voilà. Mentum. Appuyez sur touche L3 pour l'étudier. Alors, les cartes. Si jamais ça vous intéresse que je lise un peu les descriptions des cartes, je prendrai un peu de temps dans le prochain épisode. Pour lire un peu les cartes qu'on a ramassées, si ça vous intéresse. Sinon, je les laisserai telles quelles dans l'inventaire. Parce que... autre fonction de... 9. Stimulant. Oh, des stimulants, ça c'est bien. Mis à part le fait qu'elles servent... à être collectionnées. Et peut-être pour un mini-jeu. Je sais pas si elles ont... vraiment de l'intérêt. Moi, je les ai lus de mon côté, parce que la pop culture et entre autres tout ce qui concerne tout ce enceinte. Qui est. Enceinte, putain. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Bon, ça va, c'est pas si catastrophique que ça, mais bon, c'est vrai que dans ce contexte-ci, c'est un petit peu chaud, ouais. Et donc, je disais, tout ce qui a trait à l'univers des super-héros, moi j'adore ça. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai lu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert là? Ah non, bah, on retourne dehors? Tu vas pas retourner dehors, il pleut dehors. Non, bah, écoute. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'on retournait dehors. Il est tout abandonné, hein, ce vieux théâtre là. Mais ça a l'air quand même grand. Donc je pense que du temps de son existence dans l'ancien monde, ça devait être sympa d'être là. Alors là, on ouvre une autre porte. Il y a l'air d'avoir plein de choses par là. Oh oh oh, 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 oh. Un demi. Tissu. Alors, on a trouvé... 13 septembre. Ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas ma faute si je suis tombée malade. Au moins, je n'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Ah. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre. Il pleut sans cesse, mais au moins je mourrai pas de soif. Le problème, c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps. Du coup, difficile d'utiliser la radio. Mais bon. Effectivement. C'est pas comme si j'avais une réponse, de toute façon. Le WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la FEDRA. C'est pas possible. Faut que je continue d'essayer. 16 septembre. J'ai rêvé qu'il riait alors que je me vidais lentement de mon sang à cause d'une blessure par balle. Je me suis réveillée il y a une heure, encore tremblant. J'ai besoin d'une clope.
J'aurais dû en trouver facilement dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci, apparemment. 19 septembre. Le courant est encore mort. Je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer. Ok, c'est tout. 13 septembre. Ah oui, non, c'est bon, on a déjà lu. Quelqu'un habitait ici. Ouais. 1. Artefact. Qu'est-ce que tu fabriques, Ellie ? Attention. Faut que je remette le courant. Ah. Donc, à nous d'aller trouver ce générateur. Donc, visiblement, cette personne avait trouvé refuge dans ce théâtre. Donc, elle devait pas être mal, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de place pour se cacher. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là ? Non, je ne veux pas aller dehors. Dehors, il y a des méchants. Alors, hop. Ah, si, on retourne dehors ? Ah, bah non, mais il pleut là dehors, il ne va pas. Ah non, c'est bon. On a juste fait un petit passage par l'extérieur pour rejoindre une aile du théâtre. Alors, de l'alcool. 1. Alcool. Ah, en plus une bouteille entière, donc ça c'est génial. Comme ça, on pourra se faire un petit gueuleton là, avec Dina. Si je trouve de la bouffe. Ici, toi. Un demi tissu. Viens voir ici. Hop. Alors, une autre note. 4 septembre. Avec Perez, Green et Adam, on est arrivés au poste d'écoute il y a 2 jours, et tout baigne pour l'instant. Le WLF n'est pas encore venu fouiner de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville, on a eu un bon monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On campe ici. Heureux d'être encore en vie. 6 septembre. J'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval. Pas de médoc. On a cherché partout. On n'a rien, à part nos propres uniformes. Personne nous a. Personne nous a. Appelé sur la radio non plus. Combien des nôtres s'en sont tirés ? 7 septembre. Encore fiévreux. Pas de grosses entailles, donc sans doute pas une infection. Les autres attendent la tombée de la nuit pour filer à l'hosto me chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route. Ils sont sympas. 10 septembre, ça devrait pas leur prendre autant de temps. Oui, à mon avis, ils ont pas survécu. Et toi ? Ça fait longtemps qu'elle est partie. J'espère qu'il y a personne d'autre. Oui, j'espère aussi. Pas de mauvaise surprise, hein. J'ai déjà eu pas mal hier. Mauvaise surprise. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Un lien. Ça, c'est pas mal. Y'a plus rien. Bon. Bon, alors, cette fois-ci, direction le générateur. Hop, on trace. Ça m'a l'air quand même drôlement calme, hein, ce théâtre. Je sais pas si c'est pour me rassurer. Vraiment. Allez, avance. Et cours, comme ça, ça réchauffe. Moi, la plupart du temps, je vais en courant. Ce qui me joue des fois des mauvais tours. Hop, attends. Hop là. C'est pas pour aller. Ah, pour prendre l'échelle ? Ah non, fallait prendre l'échelle. Hop. Alors là c'est quoi ? Ça doit être ça. T'as grillé ? C'était pas ton truc l'électricité. Ah c'est là. Ah putain, allez. Pièce. Allez.
Ah, trop tôt, le troisième, allez. Voilà, comme ça. C'est bon. Alors, le courant est remis. Oula. Attention, ça a l'air de déverser du jus, ce machin. Pas l'air très stable comme installation. C'est que ça s'arrête cette pluie là, c'est triste cette ambiance là. Moi j'aimais bien là, quand on était dehors avec le chant des oiseaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la radio. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous me recevez? 1, 2, 1, 2, je crève la dalle et j'ai envie de coca. Ah non. C'est quoi ça? Nickel. Des clés, bah voilà. Donc là, j'imagine que on va pouvoir déverrouiller la porte. Ah, on a trouvé un truc, une porte, allez. Ah, il a l'air d'avoir des choses ici. Non? Ah si, il y a. Hop. Je prends toujours un peu le temps hein, de fouiller vite fait. Allez. Mais... Bon, ça a l'air d'être... l'objectif qu'on nous montre, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autre chose. Voilà, c'est ça. Allez, hop, sort tes clés. Et on ouvre la porte et attention. Ah non, d'accord. C'est bon, il n'y a rien derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. On peut tracer. Waouh. Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Ah, visiblement, une espèce de salle de projection. Alors. Flippant. J'y crois pas. Comme ça. Oh, une guitare. Ça sonne un peu bizarre ta guitare. Utiliser joystick. Alors, gauche pour choisir un accord. On va choisir les petits accords tactile, qui vont faire bien. Faire glisser verticalement. Faites glisser votre doigt pour gratter les cordes. Jouer dans un théâtre comme ça, ça doit être beau. Hop. Ça doit être sympa. Au niveau de l'acoustique, ouais, ça doit être sympa. Puisqu'on parle d'acoustique et que c'est une guitare, ben ça va très bien ensemble. Je l'ai même pas fait exprès. Ici. Alors, hop, hop, hop. C'est par où? C'est par là. Par ici. Waouh. Comme je joue bien de la guitare. Je m'impressionne moi-même. Alors, c'est par où? Par là? Ici. Un concert comme ça avec un mec qui joue par à-coups, ça doit être génial. Alors. C'est là, tu sais que
T'as le public qui dit une autre, une autre. Bel organe. Ah non. Ah si, c'est bon. Trois ans plus tôt. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh putain. Alors, nous voici... Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est... un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons? Ça, j'en sais rien. On dit une portée. C'est débile. C'est pas une portée de chatons. Ok, ok. Une montgolfière. Avance, au lieu de parler. Donc là, je disais, nous sommes donc de retour avec Ellie et Joël cette fois-ci parce que nous sommes dans un flashback. Fais attention. T'inquiète. Oh. Hey il nous a poussé à l'eau, le salaud. Maintenez, touchez pour monter. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Maintenez, touchez l'un, pour nager plus vite. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repoussez de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Une vraie ado, hein. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu vois le cerf là-bas? Où ça? Tu le vois, juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengée. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Ah. Et c'est là que le jeu commence à devenir, au niveau du scénario, vraiment émouvant. Parce que là, on va vivre... un petit passage. Oui, attends. On va vivre un petit passage avec. Avec Ellie et Joël. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Et du coup, on va pouvoir un petit peu profiter de leur relation. Maintenez, touche ça. Alors là, faut plonger. Plonger sous l'eau. De la relation un petit peu amicale. Enfin, c'est plus. Presque une relation, j'ai envie de dire, filiale, parce que, en fait, si vous l'avez compris, Joël, en fait, il a perdu sa fille, et... Est-ce voilà. que c'est mon prof d'histoire de 6e qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes.
on finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Et donc, je disais, ouais, Joël, il a perdu sa fille. Et en fait, dans le 1, quand il rencontre Ellie... Où est-ce que tu m'emmènes ? Quand il rencontre Ellie, en fait, eh ben, il remplace pas vraiment sa fille par Ellie, mais on trouve un genre de réconfort en Ellie. Et Ellie... Maintenu, touche cercle, pour plonger sous l'eau. Et Ellie, en fait, elle trouve du réconfort chez lui aussi. Attends. Plonge. Voilà, sale gamine. Et les deux, en fait, se réconfortent l'un l'autre. Et c'est ça qu'on... Une nouvelle paire de baskets ? Est-ce que t'en as pas assez comme ça ? Sûrement pas. Donne-moi un indice. Non. Allez ! Hé, arrête ! Et c'est ça qu'on peut observer un petit peu à travers ce flashback. Tu m'aides, oui ? Attends, pourquoi je suis coincé, moi ? Viens là. Ah là, par là. Voilà, comme ça. Ok. Ça merci, Joël. J'arrête de deviner. Ah, enfin. Ça nous a aidé à sortir de l'eau. Mais bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD ? Non, attends, une collection de DVD ? Oui. Mais, laquelle ? Juste, oui. C'est des laserdiscs ? J'en ai entendu parler. Et là, vous vous dites, waouh ! Elle connaît même pas les disques, la ringarde. Eh ben non, elle connaît pas parce que. J'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure. Je préfère nettement cette ambiance, hein, avec des oiseaux en fond. Et pas la pluie, parce que la pluie est comme ça qui s'abat comme ça sur le sol, sur les vitres, etc. Je trouve que ça donne un aspect un peu oppressant. Il y en a qui adorent la pluie. Moi, je trouve que c'est un peu oppressant. Attends. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Et donc là, nous sommes dans un musée. Et du coup, je vais volontairement pas trop parler. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Et du coup, ça fait du bien de retrouver Joël. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Dans le film que j'ai vu. Donc là, si vous ne connaissez pas la référence qui est donnée, ça fait référence au film de Jurassic Park. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh ben ouais, mais pas dans le même.
En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Je confirme, le 2 et le 3 de Jurassic Park étaient nettement moins bien. Petite tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Là, en fait, chaque fois qu'on croise... Voilà. C'est quoi ça? Triceratops. Oh là là là. Donc oui, on est dans un musée, donc il y a pas mal de choses à voir. Et en fait, à chaque fois qu'on s'approche en fait d'un dinosaure ou de choses comme ça, en fait, elle s'amuse en fait à escalader le dinosaure pour le regarder d'en haut. Ouh là 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 là. Il y en a des choses ici. Triceratops signifie tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, il y aura vraisemblablement peu d'action hein, dans cet épisode. Je pense que le musée va être... prendre un petit peu tout l'épisode. On va voir. Mais ça, moi j'aime bien. J'aime bien ce petit passage flashback. Ça permet en fait aux joueurs qui n'ont pas forcément joué au premier, parce que le premier date quand même de 2013, de jouer à celui-là avec des petits éléments de rappel qui sont donnés. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? C'est la grande par là. Alors, ça c'est quoi ça? Je ne sais pas sur quoi on a cliqué. Le problème c'est que avec le focus, quand on le perd. Elle est souvent au musée. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. Sarah, c'est sa fille, hein. Sa fille qui est décédée. Attends, pourquoi? Voilà. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé qui lui plaît comme ça? Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune? Deux. Six fois. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera sept. Ah, donc, semblerait-il que... elle a trouvé ce qui ressemble un peu à une navette spatiale. Wow. Hey, non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Alors, on va trouver ce casque. Il est où ce casque? Ok, ici.
Allez, enfile-moi ça. Cool. Ça pue pas trop là-dedans. Ça sent l'espace. Ouais, et la crasse. Chaud. Après toi. Là, on grimpe dans le vaisseau. C'est dingue. C'est un genre d'appareil de simulation. Hein. C'est pas vraiment une vraie navette. Contente, regarde un peu tous ces boutons. Trop la glace. Putain. Non mais t'imagines le truc. Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. Ok, donc là... donc c'est bien ça, c'est bien un appareil de simulation qu'on a là. Aïe, aïe, aïe. Alors là, si vous avez la manette en main, dans ce passage-là, on a vraiment l'impression d'être dans l'attraction parce qu'il y a la manette qui vibre à fond pendant la séquence. Et si en plus vous avez le casque sur les oreilles, on s'y croirait vraiment. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Elle est vraiment toute heureuse, là, Ellie, de son anniversaire. Hé. Hey. Bienvenue sur Terre. Ouais. D'accord. Un big up au travail touche qui a été fait. Zoomer. Joystick gauche. Faire pivoter. Touche cercle. Ranger. Au travail qui a été fait par les doubleurs... Donc Cyril Monge, Adeline Chetel, Kelly Maro, etc. Parce que franchement, il y en a qui aiment bien critiquer les versions françaises quand il y en a. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas à cracher dessus. Franchement, elles sont très très bien. Nouvelle entrée dans le journal. Appuyez sur touche L3 pour l'étudier. Alors, est-ce que là, on peut accéder à la nouvelle entrée? Un jour.
Ouais. Ok, c'est marqué juste un jour. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans la zone? Il y a l'air d'avoir quelques petites choses à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? C'est une barricade, encore une fois de plus. Oh là là, qu'est-ce qu'il est? Il est costaud, Joël. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. Faut passer par là. On y va, alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller? Wow. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Il part dans les aigus. Arrête un peu ces conneries. Attention. Alors. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Allez, fais la bombe. Vas-y, Joël. Geronimo ! Ouais ! Et voilà. Génial. Alors, ici, il y a quoi ? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Ouais, il y a... Il y a deux, trois choses à ramasser. Mais je crois que c'est de toute façon en fait... ouais, c'est ça. C'est à chaque fois l'objectif principal qui nous montre. Hé, hey, fais-moi entrer. Vas-y. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. Ouais, vas-y, déconne pas. Maintenant. Allez, tu me pousses là-dedans? Allez. Hey. Allez, lance-moi là-dedans. Vas-y. Putain, vraiment, on passe partout, Ellie. Hein. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Ah, c'est le panneau. Okay, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. C'est vraiment magique le... l'interprétation d'Eli. Juste magistrale. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je crois qu'on a trouvé où était la porte. Il fait sombre ici. Un petit peu. Donc là. Quand elle dit il fait sombre, on peut allumer la lampe. Voilà là. Avec le petit slide sur le pavé tactile. La femme. Elle s'est noyée dans son sang. Oula, ça a pas l'air jojo là, cette je sais pas si c'est une peinture, si c'est Mais ça a pas l'air jojo. Et hop. Montre-toi, putain. Attends, faut faire quoi là ici? Faut se baisser? Ah oui. Alors, on se baisse. Est-ce qu'on peut se relever? Oui. Il n'y a pas de lumière. Touche serre. D'accord. Ça a l'air glauque, hein, quand même. Comme endroit, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une note. Nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous et il ne nous reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose. Me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs d'avant l'épidémie. Avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face. Eh ben dis donc, ouais. Je sais pas qui c'est. Un artefact. Artefact. 3. Munitions de pistolet. Oh bah un ça quart. C'est bien ça. Alcool. Par contre ça veut peut-être dire que un, on va bouteille. Avoir droit à des phases de gunfight. Au moins rencontrer quelques ennemis. Un demi tissu. Donc moi qui pensais que ça allait être une promenade de santé, peut-être finalement pas.
Qu'est-ce que c'est ça? Un quart. Tissu. Du tissu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Là. Oula. Faut de nouveau PC? Non? Si, il faut de nouveau. Ok. Alors, on se baisse. On s'accroupit. Oula. On est arrivé face à un espèce de truc empaillé, je crois. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. J'ai cru que c'était un espèce de nouveau zombie, mais non. C'est rien qu'un cochon. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? J'aime pas ça. C'est occupé. On peut pas rentrer. Allez. Ah non, c'est bon, je suis c'est là. Ça. Mais pas bien d'entrer comme ça, comme un sauvage. C'était quoi ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Ouais. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. T'as raison. Tu viens? J'arrive. Voilà, j'adore ce thème. Ouais. C'est super beau ce thème. Je sais pas si c'est de la... Je crois pas que c'est de la guitare classique. Ça doit être un autre type de guitare. Je me renseigne sur le nom, mais j'adore ce Seattle, thème. Seattle, jour 2. Est-ce qu'on est revenu dans le présent? Vous êtes debout. Santé. Sang. Confection. Kit médical. Confectionnable. Ah, la formule nécessite. Alcool. Médical. Vous avez désormais 3. Silencieux. Amélioration corps à corps. Cocktail molotov. Grenade incapacitante. Non. Santé améliorée. Stimulants insuffisants. Ouais. Confection rapide. Stimulants insuffisants. On est revenu dans le présent. Voilà. Alors. Hop. Alors du coup là on est de retour dans le théâtre. Donc finalement... Non je ne veux pas la guitare, on a déjà fait ça. Trouve-moi autre chose que la guitare, Ellie. Donc c'était sympa, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce moment un peu flashback dans le passé d'Ellie. Alors, hop. Donc là c'est quoi le but? C'est d'aller retrouver Dina. Je pense, hein. Parce que là on a fait notre petit tour. Attends, j'ai cru localiser des objets. Ah ouais, c'est bien ça. Ah non. C'est moi ou j'entends des bruits? J'entends des bruits, c'est bien ça. Ah non, c'est bon. C'est la radio. Mais préviens avant de faire ça, c'est dégueulasse. Tu me trouves toujours canon, là? Non, pas trop. Carrément. Hein. Hey. T'as des drôles de pratiques, Ellie. Hein. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu.
Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Alors, en forme, Dina. Hein. Peut-être te reposer un petit peu. Ça fait du bien. Écoute. Je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima, opportunité. Combien de SCAR ? À vous. Ce ne sont pas des SCAR. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il reste. D'accord. Dina. Ouais. Ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ouais, d'accord. Attends. Tiens, mets ça. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Oh, c'est mignon. Un petit bisou d'encouragement. Ok, il reste. C'est le bon endroit. Ouais, oups, c'est le bon endroit. Et voilà, les amis, c'est... Ça doit être Tommy. Oula. Fais chier. Je disais donc, c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'ai pas envie d'avancer plus loin parce que je pense que si là je continue, je vais devoir m'interrompre au milieu d'une longue phase. J'ai l'impression que ça va être ça. Et du coup, je préfère garder ça pour la prochaine fois. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, j'adore cette partie. Il y en a qui reprochent beaucoup au jeu ces moments en fait où on alterne entre gros moments d'action et les moments en fait où il se passe pas grand-chose, mais on vit quand même des petits moments intéressants, là, comme ce flashback qu'on a pu vivre dans le souvenir d'Elie, qui d'ailleurs est allé s'isoler dans le théâtre, dormir toute seule dans son coin. Hein, c'est un peu disputé avec Dina. Et du coup, ça nous a permis un petit peu de redécouvrir Joël sous un autre jour. Donc là, on l'a vu, un Joël totalement... attentionné, on avait presque l'impression que c'était le père d'Elie. Hein. C'était assez touchant d'ailleurs. Voilà. Donc moi j'aime bien ces passages. Vous inquiétez pas, ça va pas être comme ça tout le jeu. Là, ce qui nous attend la prochaine fois, on va de nouveau devoir traverser une zone à découvert, donc à l'extérieur. Et qui dit extérieur dit surveillance des wolves, hein, probablement, ou d'autres gangs rivaux.
Je pense que ça va pas être une partie de plaisir. Donc voilà, si en plus vous rajoutez à ça un petit claqueur, un puant ou je ne sais quoi d'autre, eh bien je vais bien m'amuser, ça je vous le dis les gars. Je ne sais pas si j'ai hâte, mais bon, si j'ai quand même hâte parce que j'adore faire ces épisodes pour vous. Voilà. Après tous ces blabla, je vais vous laisser. C'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine. Donc, bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée. Pour moi, ça va être l'heure d'aller manger. Donc, je vous dis merci encore, tous autant que vous êtes, d'être fidèles à Let's Play dans le Noir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Mettre quelques petits commentaires ou des petits likes, ça nous fera vraiment plaisir à Snoopy et à moi. En attendant, je vous dis ciao, ciao!